Oui, messieurs, dames, le problème numéro des skinny fat, ce n'est pas d'avoir trop de masse grasse, mais surtout d'avoir trop peu de masse musculaire. Beaucoup de personnes ont du mal à saisir cette nuance, donc permettez-moi de l'expliciter. On croit souvent à tort, en effet, que le poids qu'affiche la balance est le meilleur indicateur de notre état de santé général et de notre apparence physique. Et c'est pourquoi la majorité des gens se lancent dans des diètes supra-restrictives en calories et font énormément de cardio dans l'optique de perdre du poids. Elles le font en pensant qu'ainsi, elles auront un look plus esthétique, alors qu'en suivant cette stratégie, elles finissent simplement par maigrir sans réussir à perdre leur graisse rebelle, ergo, elles développent un physique de skinny fat. Autrement dit, chercher à maigrir à tout prix est l'une des pires erreurs que vous puissiez commettre si vous voulez devenir à la fois mince et fit.